raca, 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 raca. Tananananou, tout ce que tu cherches dans un ango. La coffre qu'elle a le temps, yeah. Ta ligne, yo, c'est ta que pondou, yeah. Alors chérie, sois la bienvenue dans notre maison. Ah. Bébé, je suis l'homme le plus heureux du monde. Vraiment? Parce que je suis maintenant ton mari. Oh, bébé, mais tu sais quoi? Quoi? Et si on célébrait tout ça à l'étage? Oh non, pourquoi ne pas le faire ici? Oh, non chérie, on doit monter les escaliers. Oh bébé, tu es ma femme, c'est chez nous ici. Costume. On peut le faire n'importe où. Je suis impatient de déchirer cette robe, de sentir ta chaleur de soulever. Hey bébé, oh bébé, bébé ngana kobalo. Oh bébé, toi mon bébé, bébé ngana kobalo. La coupe sanyo so babotino bako senga kapona balo. Tu peux me retirer mes chaussures? Voilà, enfin. Tu vois? Rapido. Fais vite, fais vite. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai fini. Attends. Dis-moi, où es-tu? Où es-tu? Et pourquoi tu ne prends pas mes appels? Qui est cet homme? Oh mon Dieu, où est cet homme? Où peut-il être en ce moment? Éteint?
Mola, où étais-tu? Je t'avais beaucoup appelé. Tu n'as pas vu mes appels manquer? Je suis désolé, chérie. Quelque chose s'est passé dans le bureau et j'ai dû attendre pour m'en occuper. Et aussi, j'étais si pris que je ne savais pas que c'est toi qui appelais parce que le téléphone sonnait, c'est ça. Demola, je dois croire à cette histoire si stupide, c'est ça? Tu m'appelles menteur, n'est-ce pas? D'accord, mais voici, quel est le problème? Le problème, c'est toi, Demola, tu as un problème. Tu es le problème. Écoute. Ça fait juste 6 semaines et tu agis comme un enfant. Si tu ne veux pas qu'on soit ensemble, s'il te plaît, Demola, dis-le-moi maintenant. Tu n'as qu'à me le dire. Chérie, je suis très désolé. Je suis très désolé. Je veux vraiment t'épouser. Je suis pris ces derniers jours, mais je veux me rattraper. Tu es la seule que j'aime. Es-tu sûr? Tu es sûr de ce mariage? Ce mariage aura certainement lieu. Rien ne nous empêchera. Ok, moi je vais déjà au bureau. Chérie. Ah, attends. J'ai faim. Est-ce que tu as préparé le petit déjeuner? Petit déjeuner? Il n'y en a pas. Si tu en veux, va au restaurant. Et là-bas, il y a le pain, il y a l'omelette, il y a tout. Ok? Donc tu n'as rien fait pour moi? Il n'y en a pas. Tu peux te dépêcher. À plus. D'accord, après? Ma chère, tu es trop marrant. Oui, oh ma chère, il me gâte comme pas possible. Cet homme sait s'y prendre, je sais. Écoute, je ne fournis pas d'efforts. Aucun gros effort. Honnêtement, chaque matin au réveil, il m'apporte le petit déjeuner au lit. Je sais, c'est trop bon. Écoute, Exactement, oh ma chère, mais ceux-là qui disent que le mariage n'est pas quelque chose de magnifique, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête, hein. Je sais, moi je vais garder la flamme allumée. Ah, t'as aussi fait tout pour te marier. Ouais, je savais que tu allais dire ça, que c'est que le début. Ok, très bien, ma chère, je vais passer vous voir le week-end, ok? Je tiens à vous remercier pour tout l'amour et le soutien que vous m'avez apporté lors de mon mariage, hein? Mais vraiment, les filles, je suis vraiment bénie de vous avoir comme étant mes amies. Ok, très bien, je vais me taire maintenant, je sais, je parle beaucoup trop. Je ne vais plus parler, pardon, faut pas te fâcher. Ok, ma chérie, on va reparler plus tard. Je vais appeler Jackie et Barb quand je vais arriver à la maison. Très bien dans ce cas. Prends soin de toi. Bye. Que je l'appelle un peu. Allô, chérie. Allô, mon cupcake. Oui, je suis en chemin pour la maison. Ne me dis pas que je te manque déjà. Allez, chérie, tu ne peux pas imaginer. Tu manques papa terriblement. Bébé. Allez, je suis partie il y a quoi? À peine 20 minutes, non? Ah ouais, cela me rappelle. Je pense que j'ai oublié une lettre d'approbation dans la voiture. Peux-tu m'aider à vérifier? Oh, là. Ah oui, je crois que je pense l'avoir. D'accord. Ça devrait être... Oh mon Dieu! Oh merde! Allô? Rosaline? Allô? Monsieur Desmond. Savez-vous que votre femme est enceinte? Bien sûr, docteur. Nous n'avons pas voulu le dire à qui que ce soit jusqu'après notre mariage. Mais pourquoi vous demandez? Après le test que nous avons fait, nous avons découvert qu'elle était enceinte de 8 semaines. Mais malheureusement, le bébé est mort.
Et sa mort était causée... Oh mon Dieu. Par cet accident. Oh Dieu. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je comprends ce que vous ressentez. Surtout que ça aurait été votre premier enfant. Alors monsieur, quelque chose doit être fait immédiatement pour sauver votre femme. D'accord. Votre bébé mort doit être évacué du ventre de votre femme immédiatement. Il y a une autre mauvaise nouvelle. Allez docteur, qu'y a-t-il de pire que la perte de mon enfant? Votre femme risque de ne plus concevoir. Ah, Demola, je ne t'attendais pas à cette heure. Oh oui. Ok, dis-moi, comment tu vas, chérie? Non, tout ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bien, je ne pouvais plus le supporter. C'est pourquoi je suis venu ici. Ah, je crois qu'il n'y a pas de problème. Tu es très beau. Assieds-toi, s'il te plaît. Chérie, tu me fais très peur. Y a-t-il quelque chose? Est-ce que tout va bien? Monique, je ne sais vraiment pas par où commencer. Je ne pense pas pouvoir avancer dans ce mariage. Je ne peux pas le faire. Demola, tu blagues, n'est-ce pas? Notre mariage est dans 2 jours. Ouais, je sais. Je suis désolé. Je viens de réaliser que je ne suis pas prêt pour un engagement à vie. Non, Demola. Sérieusement, je pensais que je pouvais, mais maintenant, non. Demola, écoute, tu n'as pas à changer ton idée. Nous venons de très loin. Demola, nous venons de très loin. Tu ne peux pas me faire ça. Pardon. Pardon, nous devons faire ce mariage, ok? Ah, non, s'il te plaît, Demola, ne me fais pas ça, s'il te plaît, je t'en prie. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Hein? S'il te plaît, parle-moi. Tu ne peux pas me faire ça. Demola, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas. Demola, s'il te plaît, je t'en prie. Désolé. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, Demola, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'aime. S'il te plaît, Demola. Tu ne peux pas annuler ce mariage, s'il te plaît. Je suis désolé. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, Demola, ne fais pas ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, Demola, s'il te plaît. Oh mon Dieu.
Chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut s'asseoir ici? Je n'ai pas la force de monter à l'étage. Ah, d'accord, c'est bon. Merci. Tu veux quelque chose? Oui, chérie. Un verre d'eau sera parfait. Merci. J'arrive. Ça va. Je vais bien. Donc, pourquoi ne pas dormir un peu pendant que je te fais quelque chose à manger? D'accord, chérie. D'accord. Tu sais que je peux faire tout pour toi. Je sais. Laisse-moi t'aider un peu, je veux t'aider. Oh, attends. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Arrête de pleurer. S'il te plaît, Monique. Et laisse partir ce... des mots-là où je ne sais trop quoi son nom. Ce type ne peut pas mériter tes larmes. Tout mec qui te fait un coup pareil ne mérite pas tes larmes. Monique, tu es plus forte que ça. Tu es plus forte que ça. Je sais que tu es blessée et que tu l'aimes et tout ça, mais... on a toujours dit que si tu aimes un homme, laisse-le partir. Et s'il revient, c'est qu'il est vraiment à toi. Et s'il ne revient pas à toi, c'est que c'est un idiot. Je veux être avec lui. Mais ma chère, tu ne peux pas être avec lui s'il ne veut pas être avec toi. Ce mec, c'est un loser. Ça me fait très mal. Je suis vraiment désolée, ma chère. Je suis désolée, je sais ce que tu ressens. Doucement, Monique. Ma chère, arrête de pleurer. Laisse-le partir seulement, qu'il parte. Ok? C'est déjà trop tard. Akana, ouvre le portail. Desmond! Ok, monsieur. Ouais, c'est qui? Desmond, tu n'as pas touché à ton petit déjeuner? Bien, j'ai pas fait. Soit tu le manges ou tu le disposes. Desmond, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Te paraît-il qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je t'ai simplement dit que je n'ai pas fait un pot, c'est tout. Mais tu ne vas quand même pas sortir. Et excuse-moi, je dois aller au bureau ce matin. Akana, ouvre le portail. Tu entends encore quoi là-bas? Desmond. Desmond. Je ne vais pas accompagner les enfants à l'école. Parce que je suis en retard. Et je dois rencontrer quelques clients avant d'aller au bureau. Et ça fait quoi? Tu peux toujours les accompagner et vaquer à tes occupations après. Baba, alors appelle le chauffeur. Appelle le chauffeur et amène les enfants à l'école. N'est-ce pas que la voiture est tombée en panne? Alors trouve un autre taxi et amène les enfants à l'école, Barbara. Tu sais que ça ne sera pas possible.
N'oublie pas que ce n'est pas facile de trouver un taxi. Et surtout lorsqu'il est très tôt matin comme ça. Oh, vrai? Qu'il reste à la maison. Qu'il reste à la maison. Bien. Ils ne peuvent pas rester à la maison. Ils ont des examens à faire. Baba! Baba! Écoute-moi. Ne cherche pas à m'énerver ce matin. N'ose pas. Juste sors là et va trouver un taxi et amène les enfants à l'école. Ne m'énerve pas. Sinon, tu n'apprécieras pas. Est-ce que c'est clair? Je suis désolée. Je ne pense pas que ça allait aussi te déranger autant. Désolée. Oh, écoute. Tu ne dois pas être désolée, ok? Utilise ta tête comme une mère. Trouve un taxi et amène les enfants à l'école. Si c'est l'argent, je vais t'en donner. Hein? Je vais t'en donner. Après tout, tu t'y connais mieux en ça. Bon sang. Étonnant. Tu vas bien? Non, ça ne va pas. Je ne trouve pas l'argent que j'ai laissé dans mon sac. Ah, ça, j'aurais dû te dire. Je l'ai pris parce que je voulais acheter une nouvelle paire de jeans. Et t'as pas pensé à m'avertir avant de prendre mon argent? Et cela ferait quelle différence? Ça fait une grosse différence, Mike. Tu peux pas juste aller prendre mon argent dans mon sac. Tu es ma femme, nom de Dieu. Je peux prendre ton argent quand je veux. Oh non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre mon argent comme bon te semble. Ce n'est même pas comme si c'est toi qui me donnais l'argent pour que je fasse mes cheveux ou mes ongles. Je suis celle qui assume toutes les responsabilités dans cette maison. Pour les provisions, pour l'entretien, pour le carburant, pour les factures d'eau et du courant. Je paye pour tout, même pour tes effets personnels. Mais au juste, toi, tu fais quoi de ton salaire? Chérie, est-ce que tu essaies de m'insulter parce que j'ai pris 20 000 naira? Je ne sais pas de t'insulter, Mike. Je te demande de faire plus attention avec ton salaire. C'est pas comme si je suis la seule à travailler dans cette maison. Pourtant, c'est moi qui assume toutes les responsabilités. Je ne suis même pas encore ta femme. Bien. Noté. C'est noté? C'est tout ce que tu trouves à dire? Que veux-tu que je dise d'autre? T'as fini ta coupe? Je vais te les rembourser à la fin du mois. Et ce sera la dernière fois que je toucherai ton argent encore. Écoute-toi un peu, Mike. Allez, écoute-toi un peu parler. Pourquoi tu aimes compliquer les situations? Tu vas me rembourser l'argent qui a demandé un remboursement? Jackie, je pense qu'on doit mettre fin à cette conversation parce que ça commence à me taper sur les nerfs. Et pourtant, je crois que nous devons en parler. Bon, toi, Mike, dis-moi, à quoi remonte la dernière fois que tu m'as remboursé? Parce que tu m'as toujours dit, je vais te rembourser, mais quand tu reçois ton argent à la fin du mois, je ne reçois pas un centime. Écoute, je me fiche de comment tu vas le prendre, mais je crois qu'il est temps qu'on mette les points sur les i sur notre relation. Parce que je ne peux pas être l'homme et la femme à la fois. C'est pas possible. Je ne te blâme pas, ok? Je ne te blâme pas vraiment. Je n'ai pas fini de te parler, Mike. Mike? Mike? Mike, pourquoi tu me quittes comme ça? C'est à toi que je parle. Donc là, tu me réponds par le silence comme je te dis la vérité. Tu ne vas vraiment rien dire? Écoute, je ne veux pas qu'on parle de ça maintenant, ok? S'il te plaît, peut-être pas maintenant, après, ok? Excuse-moi. Très bien alors. Peut-être plus tard. Que je t'apporte ton petit déj ici? Non, merci. Est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose comme repasser tes vêtements? Non. Est-ce que tu as besoin d'argent pour... Je n'ai pas besoin d'argent. Pour l'essence, peut-être? Non, je ne sors même pas avec la voiture. Et pourquoi tu ne prendrais pas une voiture? Nous en avons deux, prends-en une. Je vais prendre un taxi. Parce que je ne veux plus être insulté encore. Peux-tu juste me laisser tranquille? Excuse-moi. Très bien, dans ce cas. Si tu insistes.
Maman, pardon, 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 s'il te plaît. Je n'ai pas le temps de parler du mariage très tôt matin comme ça. Pour le moment, je suis très occupée. Non, maman, arrête ces bêtises, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça. J'ai mon fils, même s'il vient de mettre au monde son cinquième fils. Il peut même mettre au monde une équipe de football, ça m'est égal. Je suis très occupée, s'il te plaît, laisse-moi le temps de travailler, je te rappelle après. À tout moment, mariage, 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 mariage. Demola, Demola, qu'est-ce qu'il y a? Cette histoire a déjà pris fin. Qu'est-ce que tu me veux encore? Demola, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais. Tu appelles maman? Ma présence t'étonne? Tu attendais quelqu'un ou quoi? Non maman, je ne m'attendais pas à une autre personne. Mais c'est juste que Desmond ne m'a pas prévenu que vous alliez venir. C'est parce que je lui ai interdit de te dire que j'étais en train de venir. Et pourquoi, si je peux savoir? Est-ce que j'ai besoin d'informer au monde entier que j'étais en train de venir voir mon fils? Devrais-je? Non maman, vous n'êtes pas obligée. Mais au moins, si nous en avions en parlé, j'aurais pu me préparer pour venir vous chercher à l'aéroport. Oh, merci pour ta gentillesse. Dans tous les cas, je suis déjà arrivée. Et si ça te plaît, mets-toi à l'écart. C'est parce que je suis tellement énervée et fatiguée. Je n'ai pas fait ce long voyage jusqu'ici pour m'en prendre à toi. Maman, laissez-moi vous aider avec votre sac. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Madame, oui? Quelqu'un m'a dit de vous donner ça. Et c'est qui la personne? Il n'a pas donné son nom, mais il est à la réception. Dis-lui d'entrer. Demola, que fais-tu ici? C'est pour ça que tu vas m'avoir? Pourquoi pas m'acheter une voiture? Oh, tu veux une voiture? Tu sais que je peux te l'acheter. Comment oses-tu m'insulter? Comment oses-tu? Est-ce que je suis moins cher pour toi? Hein, Demola? Veux-tu m'envoûter avec de sales cadeaux? D'ailleurs, c'est quoi ça? Un parfum? Mais es-tu... C'est un parfum de mort. Ça m'est égal et je m'en fous. Demola. De toute façon, la dernière fois que je vois ta lettre face de ma maison aux alentours de mon bureau. Tu peux sortir. Demola, va-t'en. Hein? Juste va-t'en. Demola, sors, pars. Vas-y, sors et vite. Ça va, ça va. Pars. Gladish. Madame. Que ce soit la dernière fois que je vois cet idiot ici, ok? Je suis désolée, madame. Sors. Reviens ici. Ramasse-moi ces trucs. D'accord, madame. Désolée, madame. Allez, sors d'ici.
Allô, ma chérie, oui, ça va? Oh, j'avais oublié, s'il te plaît, j'arrive. Attendez-moi maintenant. Les filles, n'essayez pas de me faire trop traîner ici. Cette femme me colle au train et je suis ravie que là, maintenant, j'ai un temps de répit. Mais où est-ce qu'elle est? Moi, je n'ai pas beaucoup de temps à passer avec vous, les filles, franchement. Oh, t'es la bienvenue, mon ange. Oh, nous sommes ici, Monique. Désolée, s'il vous plaît. Bonjour, je suis en retard. Tu as pris ton temps. Moi, j'étais sur le point de partir. Partir? Oui. Mais pourquoi si tôt? Je te fais un résumé. Sa belle-mère est à la maison. Oh, mais non. Arrêtez avec ça. Ne m'énervez pas plus que je ne le suis déjà. Qu'est-ce que tu vas faire? La remballer? C'est une idée. J'avoue que ça me plairait bien, mais elle reste la mère de mon mari. Et puis ma colère n'est pas en soi dirigée vers elle. J'attends le retour de Desmond parce qu'il me doit quelques bonnes explications. Ce n'est pas mal. Peut-être qu'il voulait que l'arrivée de sa mère soit une surprise pour toi. J'en doute. Il sait très bien que je déteste les surprises. Peu importe les problèmes, je vous demande d'être calme, s'il vous plaît. D'ailleurs, demandez-moi qui est venu à mon bureau aujourd'hui. Qui donc a bien pu venir te rendre visite? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de bon? Un parfum, pouvez-vous imaginer? Oh non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que c'est lui qui t'a apporté ce parfum. J'ai pas compris moi aussi. Ah, c'est vrai. Au fait, c'est un mauvais créateur de parfum. Toi? Je vous en prie, mesdames. Il est venu pour la supplier. Mm-hmm. Et toi, quand vas-tu lui pardonner? Roselyne, pardonner? Es-tu sérieuse? Oui. Écoute, je sais que ce qu'il t'a fait était mal. Ce que je veux dire, c'est... Tu ne vas pas le punir à jamais. Jusqu'à quand tu vas le faire souffrir? Peu importe le temps que ça va prendre, je m'en fous. Il doit payer pour m'avoir fait souffrir à 2 jours de notre mariage. Oui, mais je suis sûre qu'il y a bien une raison qui a fait qu'il ne puisse pas se présenter le jour de ton mariage. C'est n'importe quoi, il a mal agi, point. Je m'en fous de toutes ces raisons, je m'en fous. Mais lorsque je vais revoir ces démons-là, il va regretter de tout ce qu'il m'avait fait. Il va regretter, je vais le faire souffrir. La prochaine fois, lorsqu'il verra une femme, il va fuir. La princesse apparaît. C'est vraiment mon rêve. Ça goûte, hein? Mm-hmm. Je le savais. Je savais que mes plats te manquaient. Desmond, qu'est-ce qui se passe ici? Tu es rentré plus tôt à la maison sans même le dire. Est-ce nécessaire? Quand tu ne fais que te balader dans la ville, donc j'ai jugé bon de ne pas te déranger. Desmond, qu'est-ce que tu veux dire par me balader dans la ville? J'étais avec mes amis et tu devrais le savoir. Oh, ça c'est vrai, je suis très désolé, madame. Donc toi et tes amis vous rencontrez toutes les soirées pour faire des commérages. D'accord. Dis-moi, de quoi veux-vous parler aujourd'hui? Comment contrôler ton mari? Tu sais quoi, Desmond, je vais éviter d'avoir un échange de paroles avec toi aujourd'hui. Surtout pas devant maman. Maman, bonne soirée. Bonsoir. Bien, comme je suis devenue tellement noire, tu ne peux plus me voir. Continue. Excusez-moi, maman. C'est juste que Desmond est arrivé tôt aujourd'hui à la maison. D'habitude, il rentre plus tard que ça. Comme je suis là, tout ça va changer. Je suis là pour prendre bien soin de mon fils. Maman. J'espère que tu régales avec ton repas. Très délicieux. Et qu'est-ce que c'est? C'est son repas favori, bien sûr. C'est le pepper soup. Maman. Mais non, maman, vous n'auriez pas dû vous déranger encore à préparer une soupe. Il y avait encore une soupe dans le frigo. Cette soupe qui sent comme si on l'a préparée il y a 6 mois passés. Non, je ne peux pas donner à mon fils ce genre de nourriture. Mais maman, j'ai préparé cette soupe il y a à peine 2 jours. Quel mal y a-t-il avec? Eh bien, je ne savais pas que tu l'as préparée il y a 2 jours. Mais ça paraît dégoûtant. Ça ne donne même pas d'appétit. Pas de quoi. Je l'ai jeté. Excusez-moi, vous avez fait quoi? Oui, j'ai jeté cette soupe parce que c'est horrible.
Juste, essaye de goûter le pepper soup que j'ai fait pour mon fils. C'est très délicieux, tu vas aimer. Non, j'espère que tu t'es retrouvé. J'ai joui vraiment. Merci beaucoup, maman. De rien, merci, mon cher. Je suis contente de te voir manger Desmond, avec beaucoup d'appétit. Il faut qu'on parle maintenant. Écoute, Rosaline, je ne pense pas quitter ici sans finir cette nourriture. Desmond, il faut qu'on parle maintenant. Mais pourquoi vous, les femmes de ce jour, vous ne respectez plus vos maris? Pourquoi? Il a dit qu'il est en train de manger comme tu vois. Oh, tu as quoi cette histoire qui ne peut pas attendre? Laisse-le finir de manger. Ha! Mon cher, que je te rajoute un peu de soupe. Non, c'est juste du poisson que je veux. Va-t'en. N'est-ce pas? Oui. D'accord, mais pourquoi tu n'as pas éteint après? Hey, madame, ce n'est pas facile du tout. Oh. Lorsque je suis allé à la cuisine pour éteindre le feu, ces choses-là ont commencé à produire de fumée, de fumée, de fumée. Et directement, j'ai commencé à souffler. Pour enlever les fumées, mais ça sortait beaucoup, ça ne s'arrêtait pas. Et mon cœur m'a dit directement, mon ami, laisse ce feu, oh, si seulement tu veux t'éviter des problèmes. Je dis d'accord, ok, je vais quitter la cuisine alors, que le feu et le fumée fassent ce qu'ils veulent. Et voilà, je suis rentré à mon poste. Adoko, sache que tu es stupide. Écoute ce qui sort de ta bouche, comment tu peux penser éteindre le feu d'un réchaud à gaz en soufflant? Ah, mon Dieu. Est-ce que tu sais que madame, tu vas incendier cette maison? Je ne pense pas que tu allais avoir ce sourire sur ton visage si cette maison avait pris feu. Je suis désolé. C'est pas toi qui m'avais demandé de préparer pour eux. C'était pas de ma faute, madame. C'est Oga qui t'a dit d'être stupide. Ah. C'est lui qui t'a dit de te comporter en stupide. Maintenant, écoute-moi. Que ce soit la première et la dernière fois d'entrer dans ma cuisine sans pour autant voir ma permission. Désolé. Désolé, mon œil. Tu viens. Lève-toi. Venez. Je suis vraiment désolée. Allez, viens, viens, viens. Ah! Ça signifie quoi même tout ça? Hein? Tu m'as vraiment très bien regardé. De la tête jusqu'en bas. Tu as bien regardé ça. Tu cherches juste un moyen pour m'humilier. Ah! Ça, ce n'est pas bien, oh. C'est pas bien. Oui, madame, c'est pas juste. Mais la prochaine fois, tes enfants viendront encore et diront à Dugo, nous avons faim, nous n'avons pas mangé. Prépare pour nous, s'il te plaît. Je vais leur dire non, votre maman m'avait interdit. Je ne veux préparer pour personne. Et tes enfants deviendront comme ça. Oh. La prochaine fois, on verra. On verra qui va préparer. Tes enfants vont pleurer. Ils viendront me chercher. Je te promets. Ha! Une très mauvaise madame, vraiment. Qui es-tu? Bonjour, ma. C'est Amaka, la petite sœur de Mike. La sœur de Mike? Oui, ma. Sa petite sœur. J'étais en train de chercher cette adresse avec des références qu'il m'a données il y a longtemps. Ah, mais Mike n'a jamais mentionné qu'il avait une sœur. C'est peut-être parce qu'il ne s'est jamais prononcé dans ce sens. Mais la vérité, c'est que depuis que nos parents sont morts, c'est lui qui prenait soin de tous mes besoins. Mais il ne voulait plus le faire depuis. Le jour où il a découvert que j'étais enceinte, j'ai fait tout ce que je pouvais à la limite de mes possibilités. Mais ce n'est pas de ma faute. J'ai été violée. J'ai essayé d'avorter le bébé, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc, tu es en train de dire que tu as un enfant? Oui, maman. Un joli bébé garçon. Et où est-ce qu'il est? Je l'ai laissé à mes amis au village. Je suis venue voir Mike urgemment.
Moi et mon enfant, nous crevons de faim. Mais maintenant là que je vous parle, il souffre gravement. Alors, et si on allait à l'intérieur pour en parler? Non, Mike ne veut plus me voir. Il m'a dit de partir, sinon il allait m'étrangler de ses propres mains. S'il vous plaît, ma, aidez-moi à parler avec lui. Je ne peux plus rentrer au village là-bas. Je souffre beaucoup. Ok, alors, de combien est-ce que tu as besoin? Tontine, sincèrement, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas si combien va nous suffire. Je vais juste sauver la vie de mon fils. Allons à l'intérieur, au moins que je te fasse un chèque. Hein? Tontine, Tontine. Ça signifie quoi tout ça? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu, Mike, abandonner une jeune fille comme ça avec son enfant? Pourquoi tu m'as jamais dit que tu avais une sœur? Elle n'est pas ma sœur. Elle a cessé d'être ma sœur quand elle a accepté de se faire engrosser. Je ne comprends pas, c'était sa faute? Est-ce qu'elle a demandé à être violée? Pourquoi tu la blâmes pour le péché d'une autre personne? Et pourquoi tu hausses ton temps sur moi? Je suis pas en train d'hausser le temps sur toi. Je te montre juste que tu as été déraisonnable. Donc je suis déraisonnable? Oui, tu l'es, Mike. Vraiment? Tu ne peux pas mettre ta propre sœur comme ça dehors. Je suis censé lui ouvrir mes bras et lui dire bienvenue et lui taper derrière les dos, c'est ce que tu veux, hein? Pour avoir été engrossé par de voyous, n'est-ce pas? Et voilà que tu joues les dramatiques. C'est ce que je dis toujours. Et qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi, je veux qu'elle sorte de cette maison maintenant. Mike, ça ne va absolument pas se passer comme ça. Elle va rester ici jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Je peux voir que tu es en train de chercher une guerre contre moi. D'accord. Maintenant, écoute. Je vais entrer dans la chambre. Et avant que je ne sorte, je veux qu'elle quitte cette maison maintenant. Tu as compris? Mike, ça ne va pas se passer comme ça. Elle doit rester ici jusqu'à ce qu'on lui trouve une solution. Mike? Tontine, s'il vous plaît. Tontine, pardon, s'il vous plaît. Faites de votre mieux pour m'aider. Je ne sais pas ce qu'il fera quand relax, il sortira d'ici. S'il vous plaît, aidez-moi. Relax. Ne t'inquiète pas pour Mike. Ne t'inquiète pas pour Mike. Je saurai comment le gérer. Assieds-toi, je t'apporte à manger. Je te demande de t'asseoir. Ça va aller. Êtes-vous sûr? Assieds-toi, Amaka. Assieds-toi, ça va aller. Arrête de pleurer. Okay. Mets-toi à l'aise le temps que j'aille te trouver quelque chose à manger. Ah. Ok. Maman, que fais-tu ici? Salut. Qui est-ce? Donc, c'est comme ça que tu m'accueilles, moi, dans ta maison. Moi, ta mère. Après un aussi long voyage. Hein? Oh, désolée, maman, je suis désolée. Ah, ah. Pardon, viens. Ok. Allons à l'intérieur. Oui. On peut entrer. Je t'avais dit quoi? Allez. Hey! Allez, on entre. Thank you.
Donc tu m'en veux pour fournir autant d'efforts pour te rendre heureuse. Tu ne sais pas à quel point j'ai été chanceuse de tomber sur celui-là. Maman, 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 j'essaie de me retenir pour ne pas t'insulter. Maman, pardon. Prends ces bâtards et sors-le de ma maison, s'il te plaît. Ça ne pourra pas être possible. Monique, ce garçon n'ira nulle part. Il est venu rester ici en tant que ton mari. Maman, je ne veux plus répéter, oh. Je ne veux plus répéter. Maman, jette cette chose hors de ma maison. Quoi? Que feras-tu? Me mettre dehors comme tu l'as toujours fait? Oya, vas-y, mets-moi dehors. Ça ne sera pas ta première fois. Refais-le. Mais pour Ikechukwu, lui, il n'ira nulle part. Il est venu vivre ici et vous deux allez vous marier. Tu vas me donner mes petits-enfants et c'est tout. Point barre. Maman, 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 si tu agis comme un enfant, je vais te traiter de la sorte. Et que feras-tu? Que veux-tu faire, Monique? Attends, tu vas voir maman. Attends. Au lieu de te marier et me donner des petits-enfants, tu es là à jouer des grands airs. Va au village. Toutes mes amies sont grand-mères. Tu es là à faire du bruit. Tu veux épouser Ikechukwu? Que tu le veuilles ou non, il ne va pas rentrer. Ah ah! C'est quoi ces manières des filles de ville? Je ne t'ai pas élevée comme ça. Pardon, trop c'est trop. Ah ah! Sortez de chez moi! Je dis sortez de chez moi! Allez, sortez! Sortez de chez moi! Maman, moi. Sortez! Mmh. Sortez maintenant, sortez! Moi! Maman, toi! Moi, ta sors mère. De chez moi! Vas-y, pas! Je quitte ta maison! Hey! Monique! Sortez de chez moi! En pleine nuit, tu me chasses de chez toi! Maman, sors! Moi, ta mère! Oui, que je parle toi. De ta maison! Toi qui as maman, sucé, c'est ça! Toi, oui! Tu as fini, mais ça! Oui, maman, j'ai fini! Moi qui t'ai allaité, que je quitte ta maison! Oui, maman, sortez de chez moi! Maintenant. On part. Sortez! Tu vas le regretter! Sortez. Je dis, tu vas le regretter! On part! Sortez de chez moi maintenant! Oh, Monique, c'est moi que tu mets dehors! Ah, hein, Monique? Allez, on part! Partez! Sortez chez moi, sortez! Ah, ah. Sortez! Cécile va te permettre de les ramener au village, maman! Tu le regretteras! Je vais te prochainement, maman, je vais te faire arrêter! Je vais te faire arrêter! Moi? Oui, toi! Monique! N'importe quoi! Hé! Hey, mon Dieu! Hey! Et moi qui croyais avoir tout vu! Maman, je suis perdue, oh! Je pensais que tu lui avais dit qu'on allait se marier! Ne procrastinons pas ces mariages. Desmond, si tu penses que je vais juste observer et laisser les choses couler, alors tu te trompes. Je ne vais pas laisser ta maman venir dans cette maison et la diriger comme si elle en était le boss. Je veux dire, ici c'est ma maison pour l'amour du ciel et je décide de ce qui se passe ici chez moi. Elle ne peut pas aller dans ma cuisine, jeter ma soupe simplement parce qu'elle veut cuisiner pour toi. As-tu un problème avec ma mère parce qu'elle cuisine pour moi? Non, ça ne me pose pas problème qu'elle cuisine pour toi, mais elle n'aurait quand même pas dû jeter ma soupe. Donc où est le problème? Excuse-moi. Ouais, où est le problème si elle jette ta soupe? Cela m'importe peu. Est-ce que tu t'entends parler? J'y ai mis mon temps et de l'argent pour préparer cette soupe. Avec l'argent que je t'ai donné, hein? C'est moi qui devrais me plaindre et non toi. Maintenant, écoute-moi. J'ai besoin d'aller au lit parce que ma journée a été très stressante. Arrête les pleurnicheries. Des femmes peuvent abandonner ses enfants à l'école pour aller faire du commérage avec ses amis. Et depuis quand tu es devenu un père responsable comme tu es en train de l'insinuer?
Oh, c'est juste parce que tu as récupéré les enfants aujourd'hui à temps à l'école. Oui. Que tu penses devenir le meilleur père du monde. Oui. C'est toi qui les accompagnais aujourd'hui à l'école. Si tu cherches un moyen pour te rapprocher aux enfants en les accompagnant tous les jours à l'école, sache que le meilleur moment de le faire était quand ils étaient encore à la maternelle. C'est juste parce qu'ils ont grandi un tout petit peu que tu penses devenir le meilleur père du monde. Barbara, laisse-moi te poser une question. À quand était la dernière fois que tu allais payer les frais scolaires pour ces enfants que tu penses aimer? C'était quand? Barbara, ça relève de ta responsabilité. Acheter des fournitures scolaires pour les enfants. Avec quoi je vais payer tout ça? Avec des papiers mouchoirs que j'utilise pour me souiller ou quoi? Écoute-moi, Tom. Tu aurais dû avoir honte de toi-même. Oh, moi? C'est seulement un homme fou qui laisserait sa femme aller emprunter de l'argent pour prendre soin d'elle et prendre soin de ses enfants. À quand était la dernière fois que tu as acheté même une robe? Une robe ordinaire, c'était quand? Dis-le-moi, Tom. Des vêtements? Oh, bravo pour toi. Un vêtement? Tu penses que tu mérites des vêtements, toi? Est-ce que tu réalises que tu es tellement si horrible au lit? Tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais même pas comment nettoyer la maison. Et tu es tellement pathétique comme ta mère. Oui, c'est ce que tu es. Tom, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, tu m'as entendu. Où veux-tu que je Tom, me répète? Tom, je ne te permettrai pas d'insulter ma mère. Si tu insultes encore ma mère, je jure devant Dieu, tu Quoi? Vas me tuer cette nuit. Ne pense pas que comme je reste silencieuse pendant que tu es en train de parler, que je suis stupide. Je ne suis pas stupide, John. Oh, tu es stupide. Car si tu ne l'étais pas, tu ne serais pas là en train d'échanger des paroles avec moi. Écoute, Barbara. Si tu me cherches cette nuit, je vais te tuer. Donc, j'attends voir. J'attends voir quand tu vas soulever ta main sur moi. Soulève ta main sur moi et je jure devant Dieu, Tom. Je vais te tuer et je vais me tuer moi-même. Essaye de soulever ta main. Écoute-moi, qu'est-ce que tu attends? Tue-moi. Si tu me provoques plus que tu ne l'as déjà fait, tu ferais mieux de conseiller ce démon en toi, de prendre fuite. Où vas-tu, Tom? Où vas-tu? Tu pensais que tu allais me tuer? Reviens et tue-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Demola, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu déranges mon sommeil? Je m'en fous de tout, Demola. Laisse-moi, s'il te plaît, ne me dérange plus jamais. Ça veut dire quoi, ça? Mike, pourquoi c'était si difficile de laisser tomber? C'est de ta seule famille dont on parle là, de ton sang. Bébé, est-ce que par hasard je pourrais manger cette nourriture en paix? Mais jusqu'à quand tu vas la punir pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute? Pour,
pourquoi tu ne vois pas au-delà du passé? Écoute, un mot de plus et je sortirai par cette porte-là. Et qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que cela fera disparaître la haine que j'ai pu lire dans tes yeux? Est-ce que ça te poussera à lui pardonner et la traiter comme ta sœur? Écoute, je sais que tu es un homme attentionné et aimant. Ne me fais pas douter de l'homme avec qui j'ai l'intention de passer le reste de mes jours. T'as réussi. Je m'en vais d'ici, j'ai perdu mon appétit. Maman! Oh, allez, laisse-moi partir. Ça va, non. Laisse-moi rentrer dans ma maison. Ma femme ne t'a pas insulté hier. Maman. Elle a dit que je fais le boss ici. Je l'ai entendu audiblement. Et tu veux que je reste dans ta maison pour que ta femme continue de faire face à moi? Pas question. Maman, ce n'est pas que je... Laissez-moi rentrer chez moi. J'étais pas en train de vous insulter. J'essayais juste de faire comprendre à mon mari mon ressenti. Maman, j'étais fâchée parce que vous aviez jeté ma soupe. J'avais préparé ça, ça faisait 2 jours, maman. Maman, je ne peux pas vous interdire d'aller à la cuisine. C'est aussi votre maison. Ah, maman, c'est juste que ça m'a pas plu. Vous n'auriez pas dû jeter ma nourriture. Écoute, maman. Honnêtement, elle a raison. Hein? La prochaine fois que tu veux cuisiner, utilise une casserole vide. Il y en a assez dans la cuisine. Maman. Maman, je vous en prie, pardonnez-moi. Vous ne devez pas vous en aller pour quelque chose que j'ai dit sous la colère. Maman, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Maman. Maman, c'est moi, non? C'est moi, Desmond, ton fils. Ça va. Elle t'a présenté ses excuses. Ça va. Maman. Ok, laisse-moi ramener les choses à l'intérieur. Tu ne peux pas quitter la maison de ton fils, non? Ce n'est pas possible. Ça va, allons-y. Maman. Roselyne, non! Oui, maman? Maman, est-ce que tout va bien? Vous venez à peine de m'appeler? Oui, c'est parce que je t'appelle, tu ne réponds pas. Où est mon petit déjeuner? Oh, je n'ai plus le droit de prendre le petit déjeuner dans la maison de mon fils. Non, maman, j'attendais juste que vous vous calmiez, comme ça je pouvais faire votre thé. Je ne voulais pas vous le servir froid. Je comprends que ça, c'est notre façon que tu insultes. Maman, je ne comprends pas. À mon âge, je suis supposée prendre le thé, un thé simple, pour un petit déj.
Maman, je suis désolée, mais je pensais que... Arrête de penser. Roselyne, arrête de penser. Va là-bas à la cuisine et fais-moi une bonne soupe d'igname. Accompagnée d'un pepper soup. C'est ce que j'ai l'habitude de prendre le matin. Pour que je sois forte. Ah. Maman, je ne sais pas comment préparer ça. Et même si je savais, il n'y a pas de yam dans la maison. Il n'y a pas d'igname à la maison et tu ne connais pas la route pour le marché. Va droit au marché, achète-moi les ignames. Arrête d'être paresseuse. C'est ça mon problème avec toi, tu es tellement paresseuse. Même au lit, tu es toujours amorphe. Hein? Améliore-toi pour me donner des petits enfants. C'est quoi ça? Regarde, je vais dans ma chambre. Prépare-moi ce que je t'ai demandé et amène-le-moi dans ma chambre. S'il te plaît, ne prends pas beaucoup de temps, parce que je dois prendre le médicament. Tantine, je vais partir. Ah, tu veux vraiment partir aujourd'hui? Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Non, merci. Je dois rentrer aujourd'hui pour aller voir mon fils. Je ne sais pas vraiment dans quel état il est maintenant. Oh oui, c'est vrai. J'avais totalement oublié. Ok, je vais aller dans ce cas te déposer à l'arrêt. J'aurai besoin de la voiture. Je dois aller à une réunion. Je serai de retour avant que tu ne sortes. Laisse-moi le temps de la déposer. Pourquoi ne prendre-t-elle pas un taxi? Mais Mike, il s'agit de... Que tu reviennes. Il s'agit de ma voiture, mon pote. Tu sais, t'en fais pas. Hein? Nous allons nous... Mike, prends bien soin de toi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Il y a des gens qui ignorent la valeur de ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. Il n'y a pas de quoi avoir pitié de toi. C'est quoi? Dites-moi, John, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va se passer, ça. Des mots là. S'il te plaît, dis oui. S'il te plaît. Eh ben, cette viande, elle est assez coriace. Dis seulement que tu n'es pas forte, ma chérie. T'as vu, hein? Votre attention. Écoutez. Je crois que je dois reprendre d'écrire des livres. Oui, j'ai besoin de commencer une petite activité pour moi-même. Je vais me prendre en charge et m'occuper des besoins de mes enfants. Je vais moi-même me créer une zone de confort. Et sortir de ces semblants de paradis. Alors? C'est ce que je planifie de faire. Et je vais écrire autant de livres que possible. Et tout en espérant un jour que la vie va me sourire et que je serai en mesure de le publier. Je suis fatiguée des insultes de Tom. J'en ai vraiment marre. Je pense que c'est une très sage décision, ah oui, chérie. Je crois que tu as raison. Je n'ai jamais eu l'idée que tu sois une femme ménagère. Et alors toi, ma chérie, ne penses-tu pas qu'il est temps d'avoir un petit job ou commence ton propre job? Ça, c'est le cadet de mes soucis en ce moment.
Parlons de changement. Est-ce que l'une d'entre vous connaît un bon endroit pour adopter un bébé? Adopter? Un bébé? Tu veux adopter un bébé? C'est le moins que je puisse faire pour sauver mon mariage. Tu as des problèmes dans ton mariage? Oui, ma chère. En ce moment, c'est carrément l'enfer. Je suis vraiment désolée, ma chère. Oh, désolée. Ma chérie. Tu sais quoi? Je vais me renseigner, je te dirai quoi. Ok, fais-le, s'il te plaît. Fais-le, c'est très urgent. Merci. J'ai parlé avec mes collègues au service. Tu sais, il y a quelques-uns d'entre eux qui ont les mêmes problèmes que toi. Vous savez, parlant de mes collègues de service, Demola est venue à mon bureau ce matin et m'a fait la demande devant tous mes collègues, je vous jure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah bon? Mais chérie. Oubliez un peu ces Demola. Tellement content pour toi. J'aimerais bien dire autant pour moi. Je veux dire, ça fait 4 ans que je suis avec Mike et il ne parle même pas d'engagement. C'est juste terrible. Mais je pense que j'ai trouvé la solution à mon problème. Ok. Sa sœur. Il a insisté. Oui, je vous avais dit qu'elle était ici, non? Alors voilà ce que j'envisage. J'essaie de me rapprocher de plus en plus d'elle pour qu'elle puisse, vous savez, me faire confiance pendant que je gagne sa confiance. Et dans ce sens, elle pourrait me voir comme potentielle belle-sœur. J'essaie de me faire valider par elle. Vous savez, ouais, je pense qu'elle est bien placée pour parler à Mike du mariage. Vous en pensez quoi? Vous en dites quoi? Oui, ma chérie, tu dois le faire. Je pense que toi et ton partenaire ne veut pas avoir de différence. Oui, vous voyez. Et où est alors la différence avec Demola? Demande-lui. Demande même. Regarde ton visage, tu fais semblant, tu ne veux pas en parler. Bien, bien. Dois-je lui pardonner? C'est une bonne question. Même tu l'avais dit, quelle différence il y a alors? Oui. Tu veux faire semblant? Je ne manque jamais. Oui, pratique ce que tu prêches. C'est non. Faisons un toast, mes copines. Cheers. Toastons pour cette union. À ton travail. C'est ce que tu attendais. Rosaline, je ne vais plus parler de ceci. Si on va en parler. Desmond, n'ose pas t'en aller quand je suis en train de te parler. Cette conversation est terminée. Oh, sûrement pas. Elle ne l'est pas. Desmond, tu vas rester ici et tu vas écouter chaque mot que j'ai à te dire. Écoute, je vais poursuivre avec ces démarches d'adoption, que tu le veuilles ou pas. N'ose pas, Rosaline, n'ose pas. Parce que je ne vais jamais te permettre de faire venir un enfant d'autrui dans cette maison. Jamais. Tu dis ça parce que tu n'es pas celui qui reçoit des insultes et toutes les autres formes d'abus que ta maman me fait endurer. Je marche constamment sur des œufs dans cette maison. Elle n'arrête pas de me rappeler que c'est de ma faute si j'ai perdu notre bébé, qu'on n'a pas de bébé. Et à chaque fois que moi je viens t'en parler, toi tu mets ça de côté parce que toi aussi tu me blâmes d'avoir perdu notre enfant. Je te blâme? Personne ne te blâme pour avoir perdu notre enfant. Oh, je t'en prie, Desmond, ne sois pas hypocrite. C'est à ta femme que tu parles. Je te connais mieux que quiconque. Peu importe ce que tu penses, mon point est que je ne vais jamais te permettre de faire venir un enfant d'autrui dans cette maison. Jamais. Et écoute, n'ose pas me pousser, Rosaline. N'ose pas me pousser. Sinon, je te jure, je prendrai une décision drastique concernant ce mariage et... Et quoi, Desmond? Divorcer d'avec moi? T'en aller? Je veux dire, les signes sont déjà là. Desmond, les choses sont déjà claires. Tu n'es plus dans notre relation. Tout ça depuis que j'ai perdu notre bébé. Tu es devenu un étranger dans notre propre maison. Je veux dire... Où est cet homme doux, attentionné, cet homme amoureux que j'ai épousé? Où est-il? Qui est cet homme qui se tient devant moi? Toi, je ne te connais pas. Pas toi. Desmond, ce n'est pas de ma faute si j'ai perdu notre bébé. Ce n'est pas ma faute. Et même si ça l'était. Et même si ça l'était. Jusqu'à quand tu vas continuer à me punir? Jusqu'à quand tu vas continuer à me punir? Tu vas me punir à jamais! Desmond, je veux avoir des enfants.
Je veux planter mes propres enfants. Je veux les voir courir partout dans cette maison, casser des choses, se mettre rouge à lèvres sur tout le visage. Je veux entendre mes enfants pleurer. Je veux les porter contre moi. Je veux planter mes propres enfants. Je veux planter mes propres bébés de soins. Ce n'est pas le seul à en souffrir émotionnellement. Regarde-moi. Regarde-moi, mes émotions sont plus bas. Je suis une loque, je suis en train de mourir. C'est dingue. Je vais continuer avec ces démarches d'adoption. Je vais me rendre dans un orphelinat. Et je vais prendre le premier enfant que je verrai. Et si cela pourra atténuer la douleur et la misère que je ressens au plus profond de moi, et que Dieu m'entende, mais ni toi, ni personne n'allait m'empêcher d'aller jusqu'au bout de la démarche. Will you hold me back and make me feel like I'm yours forever? I'm yours forever. Je suis là. Prenez. Combien coûte cet ordinateur? C'est dans des 1000 grains. Pourquoi tu demandes? C'est parce que j'ai besoin d'un. Même des secondes mains. Pourquoi? Je vais recommencer à écrire encore. Barbara. Oui. En fait, qu'est-ce qui est arrivé aux autres là que tu avais écrit? En fait, tu ne pouvais même pas faire la différence entre words et world. Tu ne pouvais même pas reformuler une phrase sans erreur. Tu foutais tout en l'air. Regarde, écoute-moi. Tu ne peux pas être plus que ce que tu es maintenant. C'est une vérité. Tu dois apprendre à bien lire. Ouais. Et je vais te conseiller de débuter avec des tests pour enfants. Tu sais quoi, Tom? Je te pardonne. D'ailleurs, je ne sais même pas quoi te dire. Tu veux reprendre à écrire? Chérie, viens prendre l'argent pour le laptop, non? Idiote! Will I feel the same way? If I hold your hand, will it still make sense? If I look in your eyes, will you hold me back
tu ne peux pas continuer à l'ignorer. Au moins décroche ses appels. Attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Je t'en prie, Amaka, s'il te plaît, je ne veux pas revenir sur ta, s'il te mais plaît. C'est ta soeur. Arrête. Tu vois pas que je ne veux pas? Ne peut-on pas arrêter de parler d'Amaka et de revenir dans notre vie normale? Qu'est-ce qu'il y a, non? Tu viens de me gueuler dessus? Écoute, je vais continuer à gueuler sur toi si tu n'arrêtes pas de parler d'Amaka dans cette maison. Pardon, laisse-moi. Mike? Mike, c'était quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand tu deviens une sondeuse? Je te demande pardon? Oh oui. Tu passes toute la journée à t'intéresser aux choses qui ne t'intéressent même pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as avec ma soeur? Hein? Tu essaies de prendre sa défense? C'est parce que tu penses que ça va me faire changer d'avis? Arrête-toi là. Tu penses que j'essaie de te rapprocher avec ta soeur pour que tu puisses m'épouser? Oui, c'est ce que tu fais, Jackie. Ton désespoir pour le mariage est vraiment évident. Oh mon Dieu. Oh oui. Quoi? Oui. Écoute, ok? Je ne vais pas me marier aussi longtemps que je ne suis pas pris pour ça. Est-ce que tu comprends? Quoi que tu aies dans la tête, arrête, parce que ça ne va pas marcher. Oh oui, si tu penses que tu es trop vieille pour attendre que nous puissions nous préparer, alors je vais te conseiller d'aller chercher ailleurs. Parce que le gars qui est devant toi ne va pas se marier, même pour les 10 ans qui viennent. J'espère que c'est clair. Mike? Ouais? Quitte ma maison. Tu dis? J'ai dit va-t'en! Tu veux que je m'en aille? Tu penses que je déconne, pas vrai? Attends-moi. Qui va-t-il faire cette fois-ci? Va-t'en! Va-t'en! Hey, mais ça veut dire quoi ça? Dégage! Tu sais que je ne peux pas faire ça. Tu me traites? Tu me traites de désespéré après tout ce que j'ai fait pour toi? Sors de ma maison! Qu'est-ce que tu fiches encore là? J'ai dit quitte ici! D'accord, c'est bien. Je te laisse ta maison. Je te laisse ta maison! Quelle bêtise! Tire-toi, stupide idiot! Ah! Demola, que veux-tu que je dise? Tu veux entendre quoi? Que tu m'as pardonné. Tu le veux sans pour autant manger ta nourriture? Oh, ouais, ouais, ouais. Ok, je t'avais pardonné. Peux-tu manger maintenant? Pas encore, jusqu'à ce que je fasse ici. Monique, vas-tu me marier, faire de moi l'homme le plus heureux sur la terre? Demola ici, alors je disais non. Je ne vais jamais arrêter jusqu'à ce que tu acceptes de me marier. Je pensais que tu étais partie et tu n'allais plus regarder derrière. Je ne peux jamais faire ça, étant donné que je t'aime si tant. Comment est-ce que tu m'aimes? Mon amour canton pour toi est de rester avec toi toute ma vie. Tu sais que je suis vieille, pas belle, avec un gros visage, des gros yeux et beaucoup de défauts. J'ai l'air effrayant, tu sais. Bien, ayant l'air effrayant, oui. Et pour les autres choses que tu as mentionnées, je vais négliger tes imperfections. Et je ne regarderai que sur l'amour profond qui va nous unir, si tu acceptes. Qu'est-ce que tu penses? Dis oui. Oui, je veux t'épouser. Wow. Demola, je t'aime. Moi, je t'aime aussi.
Ok, mange ta nourriture alors. Vas-y, mange ta nourriture. Il m'a fait la demande la nuit dernière. C'est vrai? Ah donc, c'est fait. Félicitations, ma chère. Je suis tellement contente pour toi. Ah, merci, merci. Vous savez très bien, non? Vous connaissez des mots là. Ok, Monique, attends, faut que je te rappelle plus tard. Hein? Je vais te rappeler plus tard. Est-ce que tout va bien? Peut-être que je l'ai appelé à un mauvais moment. Bonjour, soleil brillant. Bonjour, prince charmant. Comment était la nuit? Très bien, merci. C'est ce que j'avais désiré. Ouais. Tu veux ton café? Café? Mais cela peut attendre. Je vais te montrer quelque chose. Quoi ça peut être? Allons dans la chambre à coucher, je te le montrerai. Non, je dois aller au boulot. Et viens, 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 viens. Viens. Oh. Démola, démola, attends. Oui, madame, il venait retirer une somme de 300 000 naira. De quoi est-ce que vous me parlez là? Comment vous avez pu approuver un chèque de 300 000 naira sans me le notifier? Nous n'avions pas trouvé nécessaire de vous notifier parce qu'il s'agit d'un compte conjoint. Et ça fait quoi si on a un compte conjoint? Vous n'aviez pas le droit de donner mon argent à Mike sans ma permission? Je suis désolé, madame, mais l'argent appartient à vous deux. Il a le même droit que vous, puisque c'est un compte conjoint. Je vous suggère donc de régler ça avec monsieur Mike. Bonne journée, madame. Allô? Allô? Ben? Ben? Merde! Salut. Salut. Te voilà encore. Est-ce que ton ami est là? En fait, il est sorti la nuit dernière. T'as une idée de là où il aurait pu bien aller? Bien, je l'avais entendu parler de quelque chose du genre aller au village. Je ne sais pas trop, mais c'était urgent. Ok. S'il te plaît, comment je peux me rendre à ce village? Aller dans leur village. Je ne crois pas que tu pourras retrouver son village. Mais écoute ce que je ferai pour toi. Je vais essayer de t'indiquer sur papier. Ok. Je pense que ça fera l'affaire. Oui, ça le fera. Parfait. D'accord. Remercie. Attends-moi là, j'arrive. Ok, très bien. Thank you.
carte de crédit, mes documents. Oh non. Hey. Tu oh. Mike m'a tué. Mike, il m'a tué. Oh, il m'a tué. Hey. Il a volé tout ce pourquoi j'ai travaillé. Hey. Hey. Mon Dieu. Ce n'est pas vrai. Hey, ce n'est pas vrai. Hey, Michael. Michael. Hey. Oh, oh non. Oui, Oscar! Ah! Desmond, ça va être la troisième fois que je te demande de venir dîner. Et c'est la troisième fois que je te dis que je n'ai pas faim. Mais t'as rien mangé de toute la journée. C'est parce que j'ai pas envie de manger. Tu n'as pas envie de manger ou tu n'as pas envie de manger ma nourriture? Tu vois, quoi que tu penses ne me concerne pas. Mais je t'ai dit que je n'ai pas faim. Soit tu le manges ou bien tu le jettes, peu importe ce que tu en fais. Ah, maman. Non. Andrew. Hey, Des. Mon fils. Je t'ai amené une femme. Sako, qu'est-ce que c'est ça? Desmond, qu'est-ce qu'elle essaye de dire par je t'ai emmené une femme? Desmond, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi t'expliquer. Quand mon fils s'est tué ne sachant rien dire, je vais t'expliquer pourquoi elle est ici et qui elle est. Elle s'appelle Cécile, la nouvelle femme de mon fils, la mère du bébé qui va naître, qui sont présentement mes petits-fils. Ah ben vous avez raison. Bah, lentement, je ne veux pas que tu gardes le bébé. Desmond, est-ce que c'est vrai? Réponds-moi, bordel! Bébé, je suis très désolé. Je voulais t'en parler, mais je ne sais pas que maman allait... Ah! T'es qu'un sale connard! Abomination! Oh, bébé! Oh, bébé, je suis désolée. Hein? Je suis vraiment désolée. C'est exactement de ça que je parle. Elle n'est pas la bonne femme pour toi. C'est moi la bonne épouse pour toi. Je ne pourrai jamais lever la main sur toi. Rosaline. Attends, Rosaline, viens. Ne t'inquiète pas. C'est toujours comme ça. Cette femme est très jalouse. Mais toi, tu es venue pour rester ici. Hein? Alors, ça, c'est ta maison. Je vais te montrer ta chambre. Hein? Juste relaxe-toi. Juste assois-toi. Hein? Bébé, je suis très, très, très désolé. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette manière. J'attendais pour te le dire au bon moment. Dégage. Écoute, bébé, je sais que tu es nerveuse contre moi, mais laisse-moi expliquer. Dégage. Bébé, comprends-moi. Dégage d'ici. Donne-moi le temps de te l'expliquer. Va-t'en. Va-t'en. Allez, va-t'en d'ici. Will it still make sense? Will it still make sense? Look in your eyes. Tu es
comme ça. Ne blague pas avec moi. Je te dis, ne blague pas avec moi. Où est-ce que tu as eu l'argent pour acheter cet ordinateur? Où est-ce que tu as eu l'argent? Tant que tu ne me dis pas où tu as eu l'argent, je ne te donne pas. Tom, remets-moi l'ordinateur. Tom, remets-moi l'ordinateur. Jusqu'à ce que tu me dises où tu as eu l'argent d'acheter cet ordinateur. Tom, tu n'as pas besoin de savoir où est-ce que j'ai eu l'argent pour acheter ce laptop. Remets-le-moi. D'accord. Alors va dire à cet homme qui t'a donné l'argent pour acheter ce laptop que je l'ai confisqué. Et je ne vais pas le remettre. Tu sais quoi? Tu dois avoir vraiment honte de toi-même. Écoute-moi. Tu penses que tous les hommes sont comme toi, réclamant ce qu'ils achètent pour leurs femmes? Tom, écoute-moi. Je ne suis pas comme toi. Je ne serai jamais comme toi. Si tu penses que saisir ce laptop m'empêcherait de poursuivre mon rêve, tu as tort parce que je me sens toi et je n'arrêterai pas d'écrire, même si l'échec entrait dans mes mains. Garde-le pour toujours. Tu penses que tu peux m'arrêter? Garde-le. Garde-le. Garde-le pour toujours. Reviens ici. Baba, reviens ici. Je veux vraiment une très belle robe. Tu sais, Demola aime que je sois très belle de temps en temps, tu vois. D'accord. Je vois, celle-ci va vraiment t'aller. Non, ça je n'apprécie pas du tout. Ce n'est pas beau. En fait, cherchons une autre robe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On peut choisir un... Ah, celle-ci est très belle. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça va. Est-ce que ça va aller avec mon corps? Salut. Salut mon cœur, tu vas bien? Je vois que vous êtes occupée. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh maman, je lui ai demandé de venir. Tu as quoi? Chérie, peux-tu te calmer? Je sais comment tu te sens. Tu ne le sais pas. Demola, tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu n'allais pas l'emmener ici. Demande-lui de sortir maintenant avant que je n'agisse en mal, s'il te plaît. Vas-tu te calmer? Je sais qu'elle t'a offensée. Mais tu dois lui pardonner, tout oublier. Elle est ta mère. Tu ne trouves pas qu'elle va me frustrer? Hein? Je suis désolée, ma chère. Je croyais faire ce qui était bon. Cette initiative, je l'ai prise avec les meilleures intentions. Tu sais que je t'ai toujours soutenue dans toutes tes décisions. Je veille sur toi depuis ta naissance. Mais pourquoi ne pouvais-tu pas soutenir mes bonnes décisions, maman? Dis-moi pourquoi. Hein? Maman, je ne veux pas de problème avec toi. Je ne veux plus te traiter comme la dernière fois. Je ne veux pas être abandonnée pendant 3 mois comme un enfant qui n'a pas de parents. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas. Navrée, ma fille. Aujourd'hui, je comprends mieux. Dieu a un meilleur plan pour toi. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Désolée de t'avoir traité de la sorte, maman. Désolée. Je devrais être celle qui te demande pardon pour t'avoir poussée jusqu'à cette limite. S'il te plaît, je suis désolée. Dieu merci. Maintenant que c'est réglé, puis-je te parler? Oui, oui, bien sûr. Qu'on parte à la chambre? Non, ce n'est pas sérieux. Je veux seulement te faire savoir que je voyage à Abuja ce week-end. C'est maintenant que tu m'informes? Non, on m'a informé lorsque je venais ici. Maman peut en témoigner. Oui, son patron l'a appelé pour lui dire qu'il devrait se rendre à une réunion. Ouais. Oh, Demola, pour combien de temps comme ça? Non, seulement 3 jours. Seulement 3 jours et je reviendrai pour toi. 3 jours? Mais tu dois commencer à m'appeler à chaque heure. Entendu? Appelle-moi à chaque moment, s'il te plaît. Deal. Merci pour ta compréhension. D'accord, je t'aime beaucoup. Prends soin de toi, maman. Oui, mon fils. Au revoir. Ah, bien. Maman, je suis très contente. Mets-toi, prends place. Elle, c'est mon organisatrice de mariage. Oui. Maman? Alors, on est en train de choisir les robes. Oui, c'est ce que nous faisons maintenant, maman. Oui, nous sommes là pour les robes. C'est bon, n'est-ce pas? Mange la salade. Pour que mon petit-fils se développe bien. Maman, pour être franc avec toi, je ne suis pas content de ceci. Tu n'aurais pas dû l'amener sans m'informer. As-tu oublié que je suis marié? Vraiment? Oui, et j'aime ma femme. Quand bien même qu'elle ne peut plus me donner d'enfant. Ce n'est pas ce que tu me disais quand tu me suppliais pour que je porte ton enfant. Tais-toi. Qui s'est adressé à toi? En fait, je veux que tu ailles en Rome maintenant. Tu prends tes effets, tu quittes cette maison.
Je viendrai te voir quand je peux. Elle n'ira nulle part. C'est toi qui l'as engrossée et non pas moi. Maman. Et aussi longtemps que ton enfant est en train de se développer dans sa matrice, elle va rester ici. Elle va rester dans cette maison aussi longtemps que je suis là. C'est ta femme. C'est quoi ça? Maman, pardon, moi je m'en vais. Tu iras nulle part. Assieds-toi. Maman, s'il te plaît, laisse-moi rentrer au village. Avec mon petit-fils, dans ta matrice, tu iras nulle part. Mon ami, assieds-toi. Maman, faut pas vous inquiéter. Même au village, c'est bien. Vous allez seulement voir votre petit-fils. Et j'ai dit non. Mais quant à toi, Desmond, tu ne poseras jamais, au grand jamais, tes yeux sur ce bébé. Ni même le prendre dans tes bras. Stace, reviens ici. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'entends pas ce que je te dis? Tu peux rester. Stacy, c'est moi qui pars. Navré? Desmond? Je comprends. J'ai besoin d'être seule pour un temps. Où vas-tu aller? Ça ira. Rosaline. I'm yours forever. So I wanna be your only. I wanna be yours truly. Just let me. Desmond, sois un homme. Mange ta nourriture, ma chère. Mais qu'est-ce qui se passe? Belle maman, votre petit-fils est trop actif. Oh. C'est toujours comme ça. Il se comporte comme son père. C'est vrai ça. Quand j'étais enceinte de lui, les gens aussi m'aimaient. Merci. Tu dois te calmer. Sois calme, s'il te plaît. Tu vas te tuer à cause d'un homme. Qu'est-ce que c'est ça? Reste tranquille. Maîtrise-toi, s'il te plaît. Hein? Oh, bras. Qu'est-ce qu'il y a à tes yeux? Monique, c'est rien. Comment tu dis que c'est rien? Ne me mens pas, ma chérie. C'est lui qui a fait ça. Quoi? Nous nous sommes battus. Quand il essayait de m'arracher mon laptop. Quoi? Hey! Et tu n'as pas fait arrêter cet homme? Hmm? Tu attends qu'il puisse te tuer avant que tu ne fasses quelque chose pour cet animal? Monique, je ne peux pas le faire arrêter. C'est mon mari. Oh, arrête-moi ça. Et qui es-tu pour lui? Dis-moi, son sac à boxe? Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps pour moi et Jackie que nous puissions parler à cet homme. Nous devons vraiment parler face à face avec lui. Mais où est Jackie? Je vais... Où est mon téléphone? Je vais l'appeler. Rose, tu continues à pleurer. Vous devez être forte, toi, le fille. Vous devez être forte. Hein? Vous allez vous tuer à cause des hommes? Non, pas du tout. Pas ça, mes chers. Non! Vous ne pouvez pas vous tuer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Réalisez un peu ce qui arrive. Je dois parler à Jackie. Je vais prendre mon téléphone. Monique, je suis en route pour le village de Mike. Son pote m'a filé toutes les informations possibles. Je vais m'assurer que ce connard paye très cher pour ce qu'il m'a fait. Jackie, ne fais pas un truc stupide, s'il te plaît, ne le fais pas. Je te demande d'être calme, nous allons attraper ce criminel. Nous allons l'attraper, t'inquiète. Hein? Ne me dis pas de me calmer, Monique. Ne me dis pas de me calmer parce que c'est pas possible. Je vais mettre le paquet, ma chère. Ce salopard. La bonne nouvelle est que nous savons où on peut le trouver, non? Alors viens d'abord, on va discuter que faire avec ce voleur. Qu'il retourne. Viens d'abord, non? Ne fais pas un truc stupido. Ne va pas au village mettre ta vie en danger à cause d'un homme. Hein? Viens d'abord. Elle arrive. Savez-vous ce qu'a fait ces criminels?
Will I feel the same way? Oh baby, if I hold your hand, will it still make sense? Will it still make sense? If I look in your eyes, oh na na na, will you hold me back and make me feel like, and make me feel like I'm yours forever, forever. I'm yours forever. So I wanna be your only. I wanna be. Desmond, pourquoi tu te fais irresponsable? Tu dois être content parce que Roselyne est partie. Elle est même sortie de son propre gré. Personne ne l'a chassée de cette maison. Maman, elle est toujours ma femme. Je dois m'inquiéter de là où elle se trouve. Elle ne m'a pas dit là où elle allait, donc cette raison est assez pour me troubler. Ne te trouble pas toi-même. Occupe-toi de la fille qui est enceinte de toi et de sa grossesse. Roselyne sera bien. Occupe-toi de ta nouvelle femme. J'ai parlé avec quelques responsables de la famille pour que nous allions dans la famille de ta nouvelle femme pour fixer la date de ton mariage coutumier. Nous devons le faire avant qu'elle n'accouche. C'est important. Maman. Oui. Moi, je vais au marché maintenant. Je dois faire un peu de provisions. Ta nouvelle femme vient juste de finir de préparer et je crois qu'elle va te servir bientôt. S'il te plaît, je te prie, considère sa condition. Ne la stresse pas. Ne lui donne pas de stress. Maman! Mais qu'est-ce qu'il y a? And make me feel like, and make me feel like, I'm yours forever, forever, I'm yours forever. Je crois que c'est elle. Je vais faire en sorte qu'il brûle en enfer. Ce connard croit qu'il peut prendre mon fric et se casser avec? Il ne sait pas avec qui il est en train de jouer. Je vais lui arracher son cœur et jeter ça au vautour. Ah, ne vas-tu pas te calmer? Calme-toi, oh. Réfléchissons comment résoudre ce problème. Hein? Je te dis que ce fâché ne va rien résoudre. Je ne peux pas me calmer, Monique. Est-ce que tu écoutes ce que tu me dis? Je te rappelle que ce connard s'est tiré avec mon fric, mon livret de chèques, mes cartes de crédit, tous mes documents et tu me dis de me calmer, t'as une idée de ce que je ressens au moins? Jacques, c'est ça même la raison pour laquelle tu dois te calmer. Calme-toi et trouvons un moyen comment l'attraper avant qu'il ne quitte le pays. La foudre s'abattra sur lui s'il essaye. La foudre s'abattra sur lui qu'il essaye. Si tu ne te mets pas, ne te calme pas. Nous allons partir et te laisser seule avec ton problème. Je suis partante. Vas-y, mets-toi, j'insiste, oh. J'insiste. Barbara, que t'est-il arrivé au visage? Il se bagarrait avec Tomo parce qu'il a cassé son laptop. Quoi? Et pour Rose, Desmond a engrossé une autre fille. Ah! Et il avait demandé à sa mère d'emmener la fille à la maison parce que lui n'avait pas le courage de le faire. Tu te fiches de moi? Et comment personne ne m'a rien dit? Jackie, comment te dire lorsque tu montes et descends en train de te promener partout, en train de chercher Mike? Jackie, sois sage, oh. S'il te plaît, sois sage. Si tu n'es pas sage, tu risques de tout perdre. Hein? Sois sage, oh. Mais sérieux, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Que se passe-t-il au juste? C'est parce qu'on a fait de mauvais choix en emmenant des mauvaises personnes dans nos vies. Oui, moi, je me suis promis moi-même, oh. Je ne veux plus jamais faire une erreur dans ma vie. Ça n'arrivera plus. Je vous suggère aussi la même chose. On doit décider maintenant sur ce que nous voulons. Si tu dois te battre pour ce que tu veux, vas-y, fais-le, vas-y. Bats-toi pour ça, hein? Vous devez décider maintenant, oh. Voulez-vous être heureuse ou vous voulez être misérable dans toute votre vie? Que voulez-vous, les filles? Le choix est dans votre camp. C'est votre choix. Et tu? Que fais-tu dans ma maison? C'est moi la nouvelle bande de cette maison. Oga m'a dit de prendre soin des enfants en attendant que madame ne revienne du marché.
De qui parles-tu? De quoi est-ce que tu parles? Ogan m'a pas dit son nom. Et qui es-tu alors? T'es vraiment stupide pour me poser cette question. Alors, ton Ogan ne t'a pas dit qu'il avait une femme avec des enfants? Ne te fâche pas, oh. Ogan ne m'avait rien dit, je ne savais pas. Oh. Il m'avait dit que vous allez bientôt revenir, vous êtes revenu. Tu vas te punir! Tu vas te punir si tu dis ça! Alors, avant que je n'ouvre mes yeux, sors de ma maison! Maintenant! Madame, qu'est-ce que j'ai fait pour me chasser d'ici? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné le message de Ogan, non? J'ai fait quelque chose de mal. Si tu ne veux pas sortir de cette maison, si tu ne veux pas partir de ma maison, je vais appeler la police! Oya, paie-moi mon argent et je vais partir. De combien parles-tu? 10 000! Dis quoi? 10 000! Regarde, écoute-moi bien. Je n'ai pas de 10 000 naira à te donner pour le simple fait d'être ici ne faisant rien. Madame, si vous ne me payez pas mon argent, je ne bougerai pas d'ici. Donnez-moi mon argent puis je pars. Ok bien, tu ferais mieux d'attendre la personne qui t'a amené ici parce que moi là, je n'ai aucun naira à te donner. J'attends alors. Hey, oui, j'attends. Je comprends que tu es vraiment folle. D'ailleurs, ce n'est pas de ta faute. Tom viendra me trouver ici. Je l'attends. N'importe quoi. Pour qui elle se prend? Parce qu'elle est déjà mariée. Ça veut dire quoi, ça? J'attends, oh. Et attendre pourquoi? Que viens-tu faire ici? Je peux savoir ce que veulent dire ces bêtises? Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu étais parti. Oh! Est-ce que ce n'est pas clair? Que tu n'es plus la bienvenue dans cette maison? Rentre de là où tu viens et laisse-nous tranquilles. C'est ici où je ne sais pas trop quoi ton nom. Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il y a un truc qui cloche dans ta tête? Comment oses-tu te tenir sur mon chemin? Comment oses-tu? Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. Espèce de sorcière stérile. Regardez-la. Stacy, écarte-toi de mon chemin avant que je t'écrase la tête sur cette porte. C'est moi qui décide qui entre ici. Et tu n'es pas la bienvenue. Stacy, je n'ai pas l'intention de me répéter. Rosaline, ou je ne sais pas quoi moi...